Chaque année, l'Union internationale des télécommunications, institution des Nations unies qui s'occupe des technologies de l'information et de la communication, ou TIC, publie l'analyse la plus exacte au monde du développement des TIC pour plus de 160 pays. Appelé l'indice de développement des TIC ou indice IDI, cette publication propose des critères de référence conçus pour aider les pays à développer leur secteur des TIC en les aidant à évaluer les progrès accomplis. L'indice IDI est un outil comparatif exceptionnel, impartial et extrêmement fiable qui est largement utilisé non seulement par les décideurs et d'autres institutions des Nations Unies, mais aussi par les opérateurs de télécommunications, les équipementiers et les fournisseurs de services TIC, de même que par les investisseurs et les spécialistes issus des établissements universitaires dans le monde entier. Cet indice rend compte des éléments suivants. Niveau et évolution dans le temps des progrès en matière de TIC dans chaque pays. Progrès du développement des TIC dans les pays développés et dans les pays en développement. Fracture numérique entre les pays sur les plans de l'accès aux TIC, de l'utilisation de ces technologies et des compétences nécessaires à cette fin. Degré d'utilisation des TIC par les pays en vue d'atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Les technologies de l'information et de la communication sont indispensables à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les indicateurs sont un outil de référence utile pour la planification et le développement futur. En s'appuyant sur des données plus fiables, on peut prendre en toute connaissance de cause des décisions plus éclairées en matière d'investissement. L'indice IDI étant formé sur un panier de 11 indicateurs statistiques, il offre le panorama le plus complet au monde de l'accès aux TIC, de l'utilisation de ces technologies et des compétences nécessaires à cette fin. Il fournit en outre un aperçu de toutes nouvelles tendances technologiques, par exemple concernant l'adoption du large bande mobile. Pour garantir un indice IDI, reste l'indice de développement des TIC le plus utilisé. L'UIT ne se sert que des chiffres provenant de sources officielles au sein de ses États membres. En 2015, une évaluation indépendante a confirmé que l'indice IDI était un outil statistique extrêmement fiable. L'indice IDI est un puissant outil comparatif qui aide les pays et les partenaires du développement à suivre l'évolution des progrès et à identifier les lacunes, de sorte que l'on puisse exploiter au maximum le potentiel des TIC en tant que moteur du développement socio-économique pour tous. Pour l'UIT, l'indice IDI est une façon de plus d'aider ses membres à connecter le monde.